فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous avons commencé à parler dans le dernier cours des piliers de la prière, arkan al-salat. On a dit que les obligations dans la salat, elles se séparent en deux. Les piliers et les obligations. Et on avait expliqué pourquoi il y a une différence entre les piliers et les obligations. Et comment les savants ont fait cette différence-là. Comment ils ont classifié certains actes dans les arcanes, dans les piliers, et d'autres dans les obligations, dans le wajibat. Pourtant, les deux actes sont des obligations. Mais ils ont séparé. Et ils ont différencié entre les deux. Est-ce que quelqu'un dans l'assise se souvient de ce qu'on avait dit ? Le frère a dit qu'il y a un degré d'importance plus supérieur pour le pilier par rapport à l'obligation. Mais les deux sont obligatoires. Le pilier, c'est un acte que si on ne le fait pas, on ne peut pas le combler ou bien le réparer avec sajdatayn sahw, avec les deux prosternations de réparation. Le pilier, la seule manière de le réparer, c'est de le faire. C'est de le refaire, celui qu'on n'a pas fait. Il n'y a pas d'autre solution que de le faire, ce pilier. Une rak'at, une unité de prière, dans laquelle il manque un pilier, c'est comme si cette unité en entier, elle n'existe pas. Et une salat, dans laquelle il manque une unité, c'est une salat qui n'existe pas. N'est-ce pas? Donc le rukn, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de la prière. Et que si on ne la fait pas, si on est venu à l'oublier, à la négliger par oubli, alors il faudra obligatoirement le faire, ce pilier-là. Alors que l'obligation, qui n'est pas un pilier, si on le délaisse intentionnellement, ça annule aussi la prière. Attention, il y a un point commun entre le pilier et l'obligation. Si on le délaisse intentionnellement, exprès, ça annule la prière. Dans les deux cas. La différence, elle est quand on le délaisse par oubli. Si on délaisse par oubli un pilier, on devra ramener ce pilier qu'on n'a pas fait. Alors que si on délaisse par oubli une obligation, on peut le réparer avec sajdatayn sahw, avec les deux prosternations de l'oubli, de la réparation. Wadih? Comment les savants ont différencié entre ces deux obligations-là? Ils ont regardé dans les textes du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba de la différence qu'ils donnaient entre ces deux obligations-là, que l'une, quand elle venait à manquer plutôt, il rattrapait la rak'at en entier. Alors que l'autre, quand elle venait à manquer, il se suffisait de faire deux prosternations de l'oubli, ou bien de la réparation. Wadih? Donc on était en train de citer arkan al-salat, les piliers de la salat. On a cité le fait de se mettre debout. On a cité le fait de dire Allahu Akbar, takbiratul ihram. On a cité le fait de réciter la Fatiha et on a parlé des différentes situations pour réciter la Fatiha. Quand on est derrière l'imam, s'il récite à voix haute et s'il récite à voix basse, et on a cité les divergences entre les savants et on a dit que le plus juste c'est qu'on le récite dans tous les cas. Le quatrième pilier c'est Ar-Ruku'a, l'inclinaison. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, oh vous qui avez cru, inclinez-vous. De même que dans le hadith qui est dans Sahihayn,
le hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu, dans le hadith de la personne qui a pas bien fait sa prière, mais aussi le salat. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, puis incline-toi jusqu'à ce que tu trouves la quiétude alors que tu es incliné. Jusqu'à ce que tu sois bien stabilisé en rukou. Donc ça, c'est le quatrième pilier parmi les piliers de salat. De même, le fait de se mettre debout droit après le rukou. Ça sous-entend le fait de se lever du rukou. Donc ça entre dedans, cet autre pilier aussi, se lever du rukou. Et se tenir droit après le recours. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à celui qui a mal fait sa salat, dans le même hadith, puis relève-toi jusqu'à ce que tu sois bien positionné et en tranquillité, bien stabilisé, debout. Beaucoup de gens font l'erreur de ne pas prendre une pause, d'être bien stable quand ils se relèvent du recours. Ils font le recours. Ils se relèvent, le dos n'est pas droit, ils ne font pas une position de stop, c'est-à-dire ils ne sont pas stables debout, ils s'inclinent en arrière, ils retombent comme un ressort. Celui qui fait ça, il a délaissé un pilier dans une raka, qui est le fait, l'i'tidal qa'ima, le fait d'être stable en position debout après le rukou. Après le rukou. Il y a un pilier qui revient dans chaque pilier. C'est le fait d'être stable dans ce pilier-là. Le fait d'être debout, d'être stable et de réciter le takbirat al-ihram debout et réciter la fatiha debout. Le fait de s'incliner, rester stable dans l'inclinaison. Si quelqu'un vient en inclinaison, il n'a aucune stabilité, il ne marque pas une pause et il se relève, son recours il n'est pas valable. Il doit marquer une pause minimum. Au minimum, le temps de faire un tasbih. Le minimum, le temps de faire un tasbih. C'est le minimum. Ou adna al-kamal. Et le minimum dans ce qui est complet, c'est au moins le temps de trois tasbih. Et la sunnah, c'est plus que ça. Comme Cheikh Taqiyuddin al-Hilali, rahimahullah, qui était un savant du Maroc, quand il est arrivé en Arabie, ils lui ont proposé de faire imam de la mosquée sacrée de Médine. Le mufti Mohammed ibn Ibrahim lui a proposé cela, rahimahullah. Alors il a dit, je veux bien, mais sache que dans chaque position, je fais minimum 10 tasbih. Je ne vois pas qu'on peut faire moins que ça dans la sunna. Minimum, il faut 10 tasbih. Le cheikh Mohammed ibn Ibrahim, il lui a dit, ça va faire lourd pour les gens. Il faut alléger. Il a dit, moi, je ne peux pas prier autrement que ça. Il a refusé l'imam. Il a refusé l'imam pour ça. Pourquoi? Pour pouvoir prier dans la sunna. Qui est pour lui, il disait, le minimum de la sunna, c'est faire au moins 10 tasbih. Dans le recours, le temps de 10 tasbih. Et leur tasbih, ce n'est pas comme nous, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hein? C'est subhan rabbi al-a'la, subhan rabbi al-a'la, subhan rabbi al-azim. Ils prennent leur temps. Non. Al-Muhim, en résumé, l'obligation, c'est, et le pilier, c'est le fait de rester ne serait-ce que le temps de faire un tasbih. Un. Si tu as le temps de faire en position stable, de marquer un stop, en recours, le temps de faire un tasbih, c'est, ton recours, il est valable. Il est valide. Tu te relèves, tu restes droit, le temps de faire un tasbih, ta position, elle est valide. Wadih. Aussi, barakallahu fikum, dans le hadith de Abu Mas'ud al-Badri, qui est rapporté par Tirmidhi, al-Nasa'i, Abu Dawud, Ibn Majah, et l'imam Ahmed et al-Darami, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la prière d'une personne ne se tenant pas droit après s'être relevée de l'inclinaison et de la prosternation n'est pas valide. Donc regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé l'invalidité de la prière de cette personne qui ne se tient pas droit et stable après le recours et après le sujoud quand il est assis entre les deux sajda. Le sixième pilier, c'est la prosternation. Aller en sujoud ala al-a'da'is sab'a, sur les sept membres.
لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين والحديث متفق عليه. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit, donc le sujoud, la prosternation. Il a dit, il m'a été ordonné de me prosterner sur sept membres. Sur le front, et quand il a dit le front, il a montré aussi son nez. Donc, le nez, ça fait partie du front, dans la prosternation. Sur le front, il a montré aussi son nez. Sur les deux mains, les deux genoux, et l'extrémité des orteils. Et ce hadith, il est rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc, un sujoud, une prosternation valide, il faut obligatoirement que le front et le nez touchent le sol, que les deux mains, elles touchent le sol, que les genoux touchent le sol, et que le bout des pieds, le dessous des pieds, le bout des pieds touchent le sol. La personne qui lève ses pieds en l'air pendant sujoud, son sujoud, il n'est pas valide. Il faut que le bout des pieds touche le sol. Ça, c'est les sept membres avec lesquels on doit se prosterner. Le front et le nez. Ceux qui se prosternent aussi que sur le front, le haut du front, ils ne touchent pas le nez. Pareil, ce n'est pas valide. Il faut que le nez, il touche le sol avec le front. Non. Aussi, éviter d'avoir quelque chose entre le front et le sol, c'est mieux. C'est mieux. Si vraiment il fait froid ou il fait chaud, on met quelque chose au sol. Mais on évite de se prosterner sur sa taqiyya, al-qudun suwa ou la taqiyya, on évite de se prosterner dessus. On essaie de se prosterner sur le front et le nez, inshallah. Si quelqu'un, par inadvertance, il se prosterne par erreur ou sans faire attention sur sa taqiyya, sa salat, elle est valide, mais c'est makruh, c'est détestable. Même une femme, quand elle fait salat, inshallah, si elle n'est pas dans un endroit où, par exemple, si c'est une femme qui a l'habitude de se cacher le visage et le prie à l'extérieur, et qu'il y a des gens, il n'y a pas de mal, elle prie comme ça. Mais si elle est chez elle, alors elle découvrira son front pour pouvoir bien se prosterner sur son front. Mais elle ne découvre pas le haut du front où là on voit les cheveux. Ça doit être caché dans sa latte. Barakallahu fikoum. Ça, c'est le sixième pilier. Ruknu al-sabi', le septième pilier, c'est al-julus bayna sajdatayn. Le fait de s'asseoir entre les deux prosternations et de s'asseoir de manière à ce que chaque membre y reprenne sa place, à ce qu'on marque une pause et na'tadil. Ça, c'est aussi important et c'est un pilier. On l'a dit tout à l'heure, le hadith. Barakallahu fikum. Naam. Aussi, le hadith sahih rapporté par Muslim où Aisha radiallahu anha dit: Kana al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, idha rafa'a ra'sahu min as-sujoudi, lam yasjud hatta yastawiya qa'ida. Aïcha radiallahu anha a dit, quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se relevait, levait sa tête de la prosternation, il ne retournait pas à la deuxième prosternation jusqu'à ce qu'il soit bien stable assis. Tout à l'heure, quand on a parlé du sujoud, bien sûr, on parle des deux sujoud, sujdatayn. Les deux sujoud sont un pilier, pas un seul, pas le premier, les deux. Le prochain pilier, c'est l'i'tidal. Minas sujoud, le fait d'être stable après le sujoud, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Moussi al-Salah, thumma rfa hatta tatma'inna jalisa, puis lève-toi jusqu'à que tu sois tranquillisé assis. Le neuvième pilier, ici le cheikh il l'a mis seul, mais en vérité, où on peut le mettre seul, où on peut le citer avec chaque pilier, at-tuma'nina tu fi jami'il af'al. Il consiste en fait à faire preuve de quiétude dans chacun de nos mouvements. C'est-à-dire marquer la pause, comme on a dit tout à l'heure. Dans chaque mouvement. Donc ça, c'est un pilier, barakallahu fikum, parmi les piliers de salat. Que ce soit debout, en rukour, en se relevant du rukour, en sujoud, en se relevant du sujoud. Tous ces points-là, tous ces actes-là, il faut, barakallahu fikoum, marquer une pause et faire preuve de quiétude dans ces positions-là. On a dit le minimum, c'est au moins
un tasbiha, une tasbiha. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc à celui qui a mal fait sa prière, thumma arka hatta tatma'inna raki'a, wa kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yatma'innu fi salatihi wa yaqul sallu kama ra'aytumuni usalli. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il faisait sa salat avec quiétude, il prenait une pause dans chaque mouvement et il a dit priez comme vous m'avez vu prier, comme il a été rapporté dans le hadith d'Al-Bukhari. Le dixième pilier, c'est At-Tartib ou Bayn al-Arkan. L'ordre entre les piliers. C'est-à-dire, si quelqu'un fait le sujoud avant le corps, ça ne fonctionne pas. Si quelqu'un fait deux sujouds d'affilée et après il s'assoit, ça ne fonctionne pas. D'abord, il fait la prosternation, après il s'assoit et marque une pause, après il se reprosterne. Non. Donc, l'ordre entre les piliers. Le onzième pilier, c'est At-Tashahhud al-Akhir wal-Julus lahu. C'est le dernier tashahhud. Il s'agit de la récitation de la formule de tashahhud à la fin de la prière et le fait de le faire assis. Ça, c'est un pilier. Contrairement au tashahhud du milieu, quand on fait une prière de 4 ou de 3 rak'at, le tashahhud du milieu, c'est une obligation, mais ce n'est pas un pilier. C'est-à-dire, celui qui l'oublie, il pourra le rattraper avec deux prosternations de l'oubli. Alors que le tashahhud final, c'est un pilier parmi les piliers de la salat, c'est un pilier parmi les piliers de la salat. Tashahhud al-akhir, le dernier tashahhud, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: "Idha jalasa ahadukum fi salati falyaqul at-tahiyyatu lillahi was salawatu wat tayyibatu. Assalamu alayka ayyuha an-nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin." Ila akhir al-hadith, wa al-hadith muttafaqun alayh. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné. Il a dit, quand l'un de vous s'assoit dans sa prière, c'est-à-dire à la fin de sa prière, qu'il dise, et il a dit le tahiyyat. Le tahiyyat ou l'illahi wa salawat wa tayyibat, assalamu alayka ayyuha nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Taïb, sur cette formule, il y a plusieurs formules sahiha, véridiques, qui ont été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le tahiyyat. Je vous dirige vers le livre Sifat Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam de Sheikh al-Albani. La manière de prier du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le livre de Sheikh al-Albani, il ramène les différentes formules de tashahhud rapportées par des hadiths véridiques. Il ramène aussi les différentes formules de salat ala al-Nabi, de faire les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont rapportées par des hadiths authentiques. Donc, inshallah, je vous dirige vers ce livre. Comme ça, vous en connaissez les formules véridiques et vous délaissez le reste, inshallah. Aussi, ici, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand l'un de vous s'assoit, qu'il dise, et lui-même il a enseigné cette formule. Tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu. Assalamu alayka ayyuha an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Certains savants disent qu'il faut dire assalamu ala an-nabi après sa mort. On ne dit pas assalamu alayka ayyuha an-nabi. Quand il était vivant, on dit cette formule-là. Après sa mort, on dit assalamu ala an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Cela a été rapporté de Aïcha radiallahu anha et de Abdullah ibn Mas'ud. Et ils ont dit, on disait de son vivant, assalamu alayka ayyuhan nabiyu, mais on dit après sa mort, assalamu ala nabi. Ça, c'est Aïcha ibn Abdullah ibn Mas'ud qui ont dit ça. D'autres parmi les sahaba, ils ont rapporté, ils n'ont pas ramené ce détail-là. Quand ils ont enseigné le hadith, ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand tu es assis dans la prière, dis. Il n'a pas dit, dis de mon vivant ça, et quand je meurs, assalamu ala nabi. Donc ça prouve, et au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba étaient en voyage, et ils étaient loin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pourtant ils disaient quand même, assalamu alayka ayyuhan nabi, ils n'étaient pas devant lui. Donc ça c'est minat du'a at-tawqifiyya, c'est les du'a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, c'est tawqifi. On le prend comme il nous a enseigné, ça ne veut pas dire par là, qu'en dehors de ça, on a le droit de dire « As-salat wa salamu alayka rasulallah ». Ça, c'est une bid'a. Mais dans salat, on dit « As-salamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh » que dans la prière. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné comme ça. Donc, il y a divergence. Celui qui voit que les sahaba, ils ont dit de dire « As-salamu ala nabi », ils n'ont pas pu le dire de leur tête. S'ils ont dit qu'on disait ça de leur vivant et on dit ça de sa, après sa mort, ça veut dire que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui leur a ordonné ça. Certains savants l'ont compris comme ça. D'autres ne le voient pas comme ça. Wallahu a'lam, al-babu fi dhalika inshallah wasi'. Le 13e pilier des piliers de la salat, ça,
c'est un pilier sur lequel il y a divergence en réalité. Mais Cheikh Ibn Baz, il l'a considéré comme un pilier. Nous, on a dit, on reste fidèle à son avis. C'est le fait de faire un salat ala nabi dans le dernier tashahhud. Lui, il voit que c'est un pilier parmi les piliers de la salat. C'est-à-dire, celui qui ne le fait pas, sa salat, elle est partie là. Elle est invalide. Non. D'autres savants voient que c'est une sunnah. S'il ne le dit pas, sa salat, elle est valide. Ceux qui disent que c'est un pilier, ils se basent sur l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a dit « Koulou, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. » Attention, on ne dit pas « Sayyidina » dans cette salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. » On répète comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. On ne rajoute pas « ni Sayyidina, ni Habibina, ni Khalilina, ni quoi que ce soit. » On répète ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Taïb. Donc là, ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Koulou, dites Allahumma ». Donc, « Koulou » ici, c'est à l'impératif, il a donné l'ordre. Donc, ce qui prouve que c'est obligatoire, et la base, c'est que c'est un pilier. Tant qu'il n'y a pas une preuve qui est venue montrer que c'est une obligation qu'on peut rattraper avec les prosternations de l'oubli. Vous ceux qui disent que ce n'est pas un pilier, ils disent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas enseigné « ibtida'an ». Les sahaba, il ne l'a pas enseigné de lui-même sans qu'eux ils le disent. Il le faisait en cachette. Jusqu'à que les sahaba ils sont venus lui demander « Ô messager d'Allah, on a su comment te passer le salam, mais on ne sait pas comment prier sur toi. » Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Koulou ». Il leur a répondu comment faire. Donc la question, le fait qu'ils sont venus questionner avant qu'ils leur disent, ça prouve que ce n'était pas une obligation. Sinon, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas attendu qu'il vienne poser la question. Il leur aurait enseigné auparavant. Voilà ceux qui disent que c'est une sunna sur quoi ils se basent. Et Cheikh Ibn Baz, il s'est basé sur Zahir et il dit que c'est un rukn. Non. Le dernier pilier, qui est le 14e pilier, c'est le fait de faire les deux salutations finales. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en parlant de la salat a dit tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Sa sacralisation, c'est le takbir, le fait de dire Allahu Akbar, wa tahliluha, le fait d'en sortir, c'est at-taslim, c'est le fait de dire assalamu alaykum wa rahmatullahi, et de l'autre côté assalamu alaykum wa rahmatullah. Et Aïcha radiyallahu anha, elle rapporte dans la manière de prier du prophète sallallahu alayhi wa sallam que kana yakhtimu الصلاه بالتسليم. Il finissait la salat avec le taslim. Donc le taslim, c'est la manière de sortir de salat et le signe par lequel on sort de la prière. Non. En ce qui concerne le taslim, comment il doit être fait, quelle est la formule de taslim, sur cela aussi il y a pas mal de paroles. Le taslim, on va parler d'abord sur ce sur quoi tout le monde est d'accord. Comme ça, c'est plus simple. Le fait de dire « Assalamu alaykum wa rahmatullah »« Assalamu alaykum wa rahmatullah » Ça, c'est la manière la plus fréquente dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait de la prière. En général, la plupart du temps, c'est comme ça qu'il faisait le taslim. Donc la sunna, en général, c'est de faire deux taslim, taslimatayn, en disant « Assalamu alaykum wa rahmatullah »« Assalamu alaykum wa rahmatullah » à droite et à gauche. On commence le taslim devant « Assalamu alaykum wa rahmatullah » en tournant à droite. Bien. Et on recommence, on remet la tête au milieu sans faire un signe de croix, là, comme les gens ils font. Ils font comme ça, ils font un signe de croix, ils repartent. Là. Ils disent « Oui » comme ça au milieu. « Oui » et ils repartent. Non. On reste droit. La tête droite, assalamu alaykum wa rahmatullah, à droite. On revient à la tête droite, devant, assalamu alaykum wa rahmatullah, on se tourne à gauche, sans baisser la tête au milieu, comme les gens y font. Sans non plus faire comme certains y font, coller le menton à la gorge. Non, on reste la tête droite, on tourne tout droit, devant nous, normal, ni baisser, ni lever. On tourne juste la tête du côté droit jusqu'à l'épaule, que de derrière on puisse voir la blancheur de nos joues. Et on recommence devant,
On dit assalamu, on commence devant et on tourne à gauche jusqu'à que de derrière on puisse voir notre joue gauche. C'est ça la sunna. Attention de ne pas marquer comme ils font. Je répète encore une fois. Assalamu alaikum wa rahmatullah. À droite, ils viennent comme ça, comme si c'était un signe de croix. Il dit un oui devant, après il repart à gauche. Non, ça n'existe pas. Barakallahu fikum. Tayyib. Ça, c'est la formule sur laquelle tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de souci. Est-ce que moins que ça, c'est valide? Est-ce que plus que ça, c'est légiféré? Ça, il y a beaucoup de paroles autour de ça. Est-ce qu'un seul teslim, c'est valide? Un seul. Assalamu alaikum. Sans wa rahmatullah, sans rien. En face. Certains voient que non. Que tous les hadiths sahihs, véridiques qui sont apportés, ils parlent de deux teslims. Et que les hadiths qui parlent de un teslim, ils sont faibles. Ils ne sont pas authentiques. D'autres parmi les gens, les savants du hadith, comme Cheikh Al-Albani et d'autres, ils voient qu'il y a des hadiths authentiques qui prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà terminé la salat avec un seul teslim. Donc il dit c'est permis, bien que la sunna c'est de faire deux teslims. Wadih. Donc ça c'est la première chose, en dessous. Au-dessus, est-ce qu'on peut dire assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh? La sunna, ça a déjà été rapporté de le dire quelques fois, c'est déjà arrivé rarement, dans le premier mais pas dans le deuxième. Dans le premier teslim, mais pas dans le deuxième. Dans la première teslima, mais pas dans la deuxième. Donc, en résumé, la sunna et la généralité avec la manière, de la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam terminait sa prière, c'est de dire « Assalamu alaykum wa rahmatullah »« Assalamu alaykum wa rahmatullah » Mais si quelqu'un il fait moins que ça, son teslim il reste valide, même s'il dit juste « Assalamu alaykum » ou « Assalamu alaykum wa rahmatullah », c'est valide. Ou bien, s'il dit « Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh »« Assalamu alaykum wa rahmatullah », c'est valide. Wadih ? Naam. Barakallahu fikum. Maintenant, le ma'moum, celui qui est derrière l'imam. Comment il suit l'imam dans les piliers ? Ça, c'est une chose dont je veux parler, qui est très importante. J'espère que je ne vais pas exagérer quand je dis ça, mais Allahu A'lam, c'est ce que je vois de mes yeux. 95% des gens, ils devancent l'imam ou ils font les gestes en même temps que l'imam. Alors que normalement, ce qui est demandé, c'est le mutaba'a, le suivi. Ça veut dire quoi le mutaba'a? Il passe d'abord, tu passes après. S'il passe par un chemin, il passe par un chemin, tu passes derrière lui. Pas en même temps que lui, c'est pas le mutaba'a ça, c'est le musawat. C'est être en même temps que lui. Ou le musabaqa, c'est encore pire, le devancer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde de devancer l'imam. Et il a dit que celui qui lève sa tête avant l'imam, qu'il craigne Allah que sa tête elle se transforme en tête d'âne. Donc, barakallahu fikum, le mutaba'a c'est quoi? L'imam dit Allahu Akbar, il va en recours. Une fois qu'il est en recours, tu commences ton recours. Une fois qu'il est en recours, tu commences ton recours. Une fois qu'il s'est levé du recours, tu commences à te lever. Une fois que sa tête elle est au sol, tu commences à te prosterner. C'est ça le mutaba'a. Il a été rapporté que sahaba, ils attendaient de voir l'imam poser la tête au sol avant d'aller en prosternation. Pareil pour tous les gestes. Allahu Akbar, il va en recours. Quand il est arrivé en recours, tu dis Allahu Akbar, tu vas en recours. Sami Allahu liman hamidah. Quand il est debout, tu dis Sami Allahu liman hamidah. Tu te mets debout. Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar, il va en sujoud, il est prosterné, tu commences ton sujoud, tu commences à aller au sol. C'est comme ça le mutaba'a. Wadih? Tout le monde est trop pressé. Moi je vois la plupart des gens, ils sont relevés du ruku avant l'imam, ils sont prosternés avant lui, toute chose avant lui ou en même temps que lui. Limite, après la question. Tu veux encore devancer l'imam? T'es trop pressé. On a dit, il ne faut pas devancer, il faut venir après. Taïm.
dans le teslim maintenant. Donc on a parlé du takbir. Celui qui fait takbir à l'ihram avant l'imam, il n'a pas de salat. Celui qui fait teslim avant l'imam, il n'a pas de salat. Celui qui le devance dans un geste, il n'a pas de salat. Celui qui fait en même temps que lui, c'est au minimum makruh, si ce n'est pas haram. Mais ça n'annule pas sa salat, inshallah. Mais celui qui le devance, il n'a pas de salat. Si quelqu'un, sans faire exprès, il a devancé l'imam dans le recours, il se relève, il revient au recours après lui. S'il l'a devancé dans le soujoud, il se relève, il revient au soujoud après lui. Sinon, son soujoud, il n'est pas valable. Barakallahu fikum. Ça, c'est une chose qu'il faut que ce soit clair. Ne soyez pas pressés. Al-mutaba'a. Innama ju'ila al-imamu li'utamma bihi. L'imam a été instauré pour être suivi. Suivi. Quand tu vas, tu prends une route, tu as un éclaireur devant toi. Tu le suis ou tu vas devant, tu marches devant lui? Tu le suis. L'imam, tu le suis. Il finit un geste, tu commences un geste. Il finit un geste, tu commences ce geste. C'est comme ça. Dans le teslim, les savants ont divergé. Est-ce que les deux teslim, c'est un acte ou chaque teslima, c'est un acte à part entière? Ceux qui voient que chaque teslima, c'est un acte à part entière, ils disent quoi? Ils disent « Assalamu alaikum wa rahmatullah ». Il a fini le premier teslim, tu commences ton premier teslim. Il finit son deuxième teslim, tu commences ton deuxième teslim. D'autres, ils disent « Il finit son deuxième teslim, tu commences ton premier teslim ». Les deux, inshallah, « Lahu wajh min al-nazar »« Wallahu a'lam ». Mais tu ne fais pas teslim en même temps que lui, comme ils font certains madahim. Tu ne fais pas en même temps que lui, tu fais après lui. Assalamu alaikum wa rahmatullah, toi tu commences. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Lui il commence le deuxième. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Il a fini le deuxième, toi tu es revenu déjà au milieu. Il a fini le deuxième, tu commences le deuxième. Une fois qu'il a fini le deuxième. Barakallahu fikum. Ça, inshallah, lahu quwwa. Inshallah. Car ça, c'est deux paroles séparées, deux fois de teslim. D'autres voient que le teslim, hein, c'est un acte à part entière. Les deux teslim, c'est un acte. Donc, tu attends la fin du deuxième pour commencer le premier. Wallahu a'lam. Ça, c'est des sujets sur lesquels les savants divergent anciennement et contemporainement. C'est des sujets sur lesquels la divergence est acceptée, inshallah. Tfadal, c'était quoi ce que tu voulais dire? On a suivi l'imam quand il va en sujoud. Quand il est en sujoud, on le suit. Mais on est censé voir... Pour quelqu'un qui est loin dans les rangs, il est censé voir son point de soujoud. Le frère, il dit, on doit suivre l'imam quand il va en soujoud. Mais normalement, on doit regarder devant nous. On doit pas regarder l'imam, ceux qui sont loin dans les rangs. Je dis oui. Mais quand le premier rang, il suit l'imam. Mais déjà, les gens, ils sont pressés dans le takbir. Ils voient que, parce que le takbir, l'imam, il le dit au début de son geste. C'est sahih. Le takbir, takbirat al-intiqal, on va le voir tout à l'heure, c'est dans les obligations. Les takbirat, à dire, dans les changements de position. Ce n'est pas des piliers, c'est des obligations. Il le dit quand il commence le geste. Parce que ça, ça s'appelle takbiratul intiqal. C'est les takbirs qui accompagnent le changement de position. Donc, il doit se faire pendant le changement de position. S'il se fait après, ce takbir, il n'est pas valide. S'il se fait complètement avant, il n'est pas valide. Il faut qu'une partie du takbir, il soit accompagnée du changement de position. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu, tu commences debout le takbir et tu le finis rapidement en faisant une partie du geste. Tu fais pas comme certains ils font quand ils se lèvent. Allahu Akbar, ça existe pas. Tu le fais simplement Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Mais quand tu commences à dire Allahu debout, le Akbar, tu le fais pendant que tu t'inclines. C'est-à-dire une partie de ton mouvement, il accompagne une partie de ta parole. Parce que le takbir, il est fait pour le changement de position. Il n'est pas fait pour être dit en dehors du changement de position, ni avant complètement, ni après complètement. D'ailleurs, les savants disent que celui qui fait le takbir, par exemple, il est en sujoud. Il fait le takbir une fois qu'il est en sujoud, il n'a aucune partie du takbir qui a accompagné le mouvement de changement. Ce takbir-là, il n'est pas valable. Pareil en rukou.
Par exemple, quelqu'un, il va en recours une fois qu'il est déjà incliné, il dit Allahu Akbar. Son takbira, là, il n'est pas valable. Parce que c'est sa takbira, ce Allahu Akbar, il doit le dire en changeant de position. Il est fait pour les changements de position. On va en parler tout à l'heure, ça, Inch'Allah. L'imam, quand il est devant, aujourd'hui, quand il dit Allahu Akbar, il n'a même pas fini Allahu, tout le monde est au sol. Déjà, attends qu'il finisse Allahu Akbar avant de commencer à le dire. Tu vas voir que ça va correspondre avec le fait qu'il est prosterné. Deuxièmement, si le premier et le deuxième rang, il le voit en regardant l'endroit de prosternation, il voit l'imam. Donc quand on voit le premier rang, qui a, par exemple, on a entendu Allahu Akbar, il a fini sa takbira, puis on voit le premier rang aller en prosternation. Donc on les suit. Nous, on suit les premiers rangs et les premiers rangs, ils suivent l'imam. Donc, il n'y a pas de mal en cela, Inch'Allah. Quand on ne peut pas voir, on suit la voix. On suit la voix de l'imam. Mais au moins, on attend qu'il finisse de dire Allahu Akbar avant de commencer à dire Allahu Akbar. Surtout, il y a des imams, par exemple, âgés. Nous, on prie dans la mosquée, par exemple, de Viltaneuse. L'imam, mashallah, c'est une personne âgée, fait la salat posée, il prend son temps. Quand il dit Allahu Akbar, déjà il le dit très lentement et il met beaucoup de temps à aller en prosternation. Il est très lent. Parce que c'est une personne âgée, il descend doucement, il y va. Tout le monde est en prosternation avant lui. Moi je le vois, je suis le seul debout. Tout le monde est en prosternation, je suis le seul debout. Et je dis Allahu Akbar. Alors, Sami Allahu liman hamida, je ne vous parle pas. Je ne vois pas parce que je suis en recours. Mais en tout cas, ceux d'un côté de moi, je les vois, ils sont déjà relevés. Wajibat ou salah. On va essayer d'avancer dans le wajibat, inshallah. Si on arrive à les finir, ya Rab. Tayyib. Les obligations. Donc ça, c'est les obligations qu'on peut, si on les a oubliées, les rattraper avec sejdat et sahou, avec les prosternations de réparation. Contrairement aux piliers. Premièrement, toutes les formules de takbir, excepté takbirat al-ihram, le takbir de la sacralisation. Toutes les formules de takbir, excepté takbirat al-ihram, ça, c'est une obligation. Non. Et celui qui en délaisse une exprès, alors sa salat, elle n'est pas valide. Celui qui la délaisse par oubli, il fait deux sujouds de sahou avant le salam. Après le tashahoud, avant le salam. Non. Ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononcer le takbir à chaque fois qu'il se baissait ou se relevait et à chaque fois qu'il se tenait debout ou s'asseyait. Ce hadith il est rapporté par l'imam Ahmed et Nasa'i et Tirmidhi et l'imam Tirmidhi l'a rendu authentique. Donc tous les takbirs, takbiratul intiqal, c'est un wajib. On a dit tout à l'heure comment il fallait les faire. On dit... On est debout, on dit Allahu Akbar. On commence à le dire debout et on le finit en s'inclinant. Sami Allahu liman hamida. On commence le signe quand on est en recours et on le finit. On finit la formule de la phrase en se relevant. Bon, Rabbana wa lakal hamd, ça c'est debout, il n'y a pas de souci. Allahu Akbar. On commence à le dire debout et on finit on se pendant le chemin entre debout et la prosternation. Mais ce n'est pas la sunna de dire Allahu Akbar. De allonger le Allahu Akbar. Ça n'existe pas. Ou bien même quand on se relève entre le premier et le deuxième rak'at, après le deuxième sujoud. Alors on dit Allahu Akbar tout le long. Le moment de, après le sujoud jusqu'à debout. Non. On dit Allahu Akbar, même si on a fini alors qu'on est encore en bas, on se lève. Il n'y a pas de mal, Inch'Allah. Alors qu'on est encore en train de se lever. Il n'y a pas de mal. Non, mais il y a plusieurs hadiths sahiha qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait les takbirah, les formules de takbir pendant les mouvements. Et dans certains hadiths, il a dit Kana yukabbir thumma yarka. Il faisait takbir puis se prosternait. C'est-à-dire, il commençait à dire takbir et se prosternait. On lit entre les deux hadiths, entre tous les hadiths. Ça ne veut pas dire par là que tu finis le takbir alors que tu es debout. Non. Il faut qu'une partie du takbir soit avec ton geste. Non. La deuxième obligation, c'est le fait de dire Sami Allahu liman hamida. Le fait de dire Sami Allahu liman hamida. Non.
Ça, c'est quand on se relève du rukou. Quand on se relève du rukou, on dit Sami Allahu liman hamida. Comme il est rapporté dans le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait le takbir quand il se mettait debout pour prier, puis le prononçait à nouveau lorsqu'il s'inclinait, puis il disait en se relevant de l'inclinaison Sami Allahu liman hamida. Puis il disait lorsqu'il était complètement debout Rabbana wa lakal hamd. Et ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, il attendait d'être complètement debout pour dire Rabbana wa lakal hamd. C'est pas pendant qu'on se relève, ça. Wadih? Chaque position, elle a son dhikr. Chaque changement de position, elle a son dhikr. Le dhikr du rukou, c'est Subhan Rabbi al-Azim. Le dhikr du changement de position, c'est Sami Allahu liman hamida. Le dhikr quand on est debout après le rukou, c'est Rabbana wa lakal hamd. Le dhikr pour changer de position, c'est Allahu Akbar. Le dhikr du sujoud, c'est Subhan Rabbi al-A'la, etc. Donc chaque position et chaque changement, il a son dhikr propre à lui. Il doit être dit dans le moment qui est lié à cette position-là, pas à un autre moment. Non. La troisième obligation, c'est le fait de dire Rabbana wa lakal hamd une fois qu'on est debout. Il y a plusieurs formules qui sont apportées dans cela. Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana wa lakal hamd, Rabbana wa lakal hamd. Tout ça, Inch'Allah, c'est valide. Non. La quatrième obligation, il s'agit de dire Subhan Rabbi al-Azim au moment du recours et Subhan Rabbi al-A'la au moment du sujoud. L'obligation, c'est au moins une fois. Si quelqu'un l'a dit une fois, il a fait l'obligation. Trois fois, c'est le minimum de la sunna. Plus, c'est bien. Non. Comme on a dit tout à l'heure, ce que Cheikh Taqiyuddin al-Hilal il faisait, il en faisait au moins 10, minimum. Donc le minimum valable, c'est 1. Non. Et en raison du hadith de Hudayfa, quand il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait pendant son inclinaison Subhan Rabbi al-Azim et pendant son sujoud Subhan Rabbi al-A'la. Et ce hadith, il a été authentifié par Al-Tirmidhi. C'est un hadith sahih. Non. On va finir rapidement les obligations. Après, Inch'Allah, on rentrera un peu dans les détails ou on laissera les questions. La sixième obligation, et ça justement c'est l'avis de Cheikh, c'est le fait de dire Rabbi Firli quand on est assis. Rabbi Firli entre les deux prosternations. Entre les deux sujoud, le fait de dire Rabbi Firli. On dit combien de fois? Deux fois? Le minimum c'est une fois l'obligation. Là, si on prend l'avis de Cheikh de base, il dit que c'est obligatoire, le minimum c'est une fois. Non, s'il le dit trois fois ou plus, Inch'Allah, c'est encore mieux. Et le hadith de Hudayfa où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait entre les deux prosternations, Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. C'est rapporté par An-Nasa'i et Ibn Majah. Non. La septième obligation, c'est le fait de faire le tashahhud au milieu. Le tashahhud du milieu, pas le tashahhud de la fin. Et la huitième obligation, c'est le fait de faire ce tashahhud-là assis. C'est le fait de faire ce tashahhud-là assis. L'épreuve de cela, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque tu te mets debout pour la prière, prononce le takbir, puis récite ce que tu peux du verset du Coran. Lorsque tu te retrouves en position assise au milieu de la prière, stabilise-toi donc, assieds-toi sur ta jambe gauche et prononce le tashahhud. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud. Et aussi, le fait que Ibn Mas'ud a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque vous vous asseyez toutes les deux unités de prière, dites At-tahiyyatu lillah, c'est-à-dire At-tashahhud. Ce hadith il est apporté par l'imam Ahmed et Nasa'i. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a oublié de faire le tashahhud du milieu dans la prière de Dhuhr, il a fait deux prosternations de l'oubli ou de la réparation avant la salutation finale pour corriger cela, pour corriger le fait qu'il n'a pas fait le tashahhud au milieu. Ça prouve que c'est obligatoire. Car sinon, si ce n'était pas obligatoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'aurait pas corrigé avec les deux
Consternation. Si c'était un pilier, les deux prosternations n'auraient pas suffi pour le corriger. Wadih, inshallah. Donc, voilà en ce qui concerne les actes obligatoires. On peut rajouter, donc sur Rabbi Firli, certains voient que c'est une sunna parce qu'il n'y a rien qui montre que c'est un ordre. Pour Subhan Rabbi al-Azim et Subhan Rabbi al-A'la, ceux qui disent que c'est un ordre, en plus du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. Il a dit Fir ruku' fa'azzimu fihi rabb. Il a dit dans le ruku', agrandissez le nom de votre Seigneur, et dans le sujoud, élevez son nom, c'est-à-dire dites, faites-lui le tesbih. Donc ça c'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui prouve l'obligation. Alors que Rabbi Firli, ça a été juste prouvé qu'il l'a fait, mais il ne l'a pas ordonné. Donc, Wallahu A'lam, Cheikh lui voit que c'est une obligation. D'autres parmi les savants disent que c'est juste une sunna. On peut rajouter aux obligations Al-Isti'ada, que Cheikh n'a pas cité. Le fait de dire A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim au début de la prière, car Allah Tabarak wa Ta'ala a dit Wa idha qara'ta al-Qur'an, fasta'idh Billahi Minash Shaitanir Rajim. Quand tu veux lire le Qur'an, prends protection auprès d'Allah contre Satan le lapidé. Donc, dans chaque raka'ah, on dit « A'udhu billahi minash shaitan al-rajim » avant la fatiha, Inch'Allah. Voilà en ce qui concerne les obligations dans la salat. On a fait donc les piliers et les obligations. « Wa qur rabbi zidni ilma »